Mardi, le 23 janvier 2018, le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, s'est engagé à promouvoir les échanges culturels entre le Québec et la Chine. Pour une toute première fois, le puissant ministre chinois de la Culture excusez-moi, Monsieur Luo Shugang a déroulé le tapis rouge pour un chef de gouvernement provincial en accueillant le Premier ministre Couillard dans les salons feutrés du palais Jean Fou à l'intérieur des murs de la cité interdite à Pékin ou à Beijing, la capitale chinoise. L'entente cadre devrait favoriser le rayonnement de la culture québécoise en Chine et vice-versa. Elle pourrait entre autres faciliter les déplacements de groupes tels que l'Orchestre symphonique de Montréal et les grands ballets canadiens en Chine, croit Monsieur Couillard. Elle permet aussi des échanges entre musées, un rapprochement entre les différents festivals et une plus grande mobilité des artistes pour fin de perfectionnement. Le Québec est le partenaire de plus longue date du ministère de la Science et de la Technologie de Chine, soit depuis 1995. Depuis 2007, la Chine et le Québec ont financé conjointement 17 projets de collaboration et d'innovation dans le domaine scientifique pour un montant de 15 millions. Par ailleurs, l'entreprise québécoise Cinqo, qui se spécialise dans des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée, a signé le 23 janvier 2018 une entente avec le géant chinois BAO d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars. Le président directeur général de Cinqo, Nicolas Maroulo, a dit espérer pouvoir aider BAO à obtenir un important contrat lié aux Jeux olympiques de 2022 à Pékin. L'entreprise montréalaise, qui fait déjà affaire avec Ford et Sephora, cherche à offrir aux consommateurs une expérience publicitaire de très haut niveau. Lors de l'annonce, le Premier ministre a enfilé un bandeau lui permettant en quelque sorte d'entrer dans le contenu. Monsieur Couillard poursuit sa mission commerciale et culturelle en Chine pour 4 jours. Il se rendra aussi à Hangzhou et Shanghai. Une délégation de 140 entreprises l'accompagne, en grande majorité composée d'intervenants du milieu de la culture et du divertissement.